Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM ici et maintenant.com ou bien le canal 9A de la RNT. C'est Morgane avec vous aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse interactive. Vous avez cette possibilité tout au long de cette émission d'intervenir, de réagir, de partager votre opinion avec nous sur les différents sujets d'actualité que nous allons voir ensemble. Et pour cela, eh bien, vous avez deux moyens d'action. Cette possibilité de vous connecter sur le forum de la radio, le forum.fm dans la partie revue de presse interactive, ou bien de bien noter le numéro du standard et de le composer lorsque vous aurez quelque chose à nous dire par rapport aux différents sujets que nous allons voir ensemble. Alors le numéro du standard, eh bien, c'est le 08 92 23 95 20. Alors plusieurs sujets qui se détachent de l'actualité d'aujourd'hui. On va voir ensemble ces différents sujets. On aura le temps d'approfondir chacun des sujets ensemble et d'écouter donc bien sûr vos réactions également. Alors entre Donald Trump et Emmanuel Macron, il faut savoir que rien ne va plus. Avant le G7, on nous parle de guerre commerciale. Et bien, dans une série de tweets écrits la nuit dernière, bien le président américain s'en prend à Emmanuel Macron et au premier ministre canadien Justin Trudeau, qui ont affiché ces derniers jours leur entente commune contre la politique économique des États-Unis, une diplomatie passive agressive juste avant le sommet du G7 qui débute ce vendredi. Autre sujet d'actualité concernant les attentats du Bataclan, les militaires ont reçu l'ordre de ne pas intervenir. Les victimes portent plainte plus de 2 ans après l'attentat. 17 victimes ayant droit cherchent à comprendre pourquoi des soldats de l'opération Sentinelle présents n'ont pas agi. Les victimes et familles de victimes s'interrogent donc. 8 soldats de l'opération Sentinelle munis d'armes de guerre et présents devant le Bataclan le soir du 13 novembre ne sont pas intervenus et ont refusé de prêter leur arme aux policiers. Une plainte a été déposée pour non-assistance à une personne en péril en l'absence d'intervention des militaires lors des attentats perpétrés au Bataclan. L'autre sujet dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est la pornographie qui fait l'objet d'une nouvelle enquête sur les addictions auprès des jeunes de France. Je cite « Ado et porno, l'inquiétante dérive, les jeunes consomment trop de porno, les jeunes accros, porno, des consommations inquiétantes chez les jeunes ». Ce sont que quelques-uns des titres qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui. Donc le point commun entre tous ces sujets, c'est cette étude portant sur le rapport traitant des addictions à diverses substances, à divers comportements chez les jeunes de France, les 14 à 24 ans. On nous parle également de celui qui se prénomme Ahmed H, un Irakien donc cadre présumé de l'État islamique dans l'actualité, qui a été arrêté et écroué en mars en France, réfugié politique en France et possiblement ancien cadre du groupe État islamique. Cet Irakien a été arrêté et mis en examen en mars à Paris, soupçonné notamment d'avoir participé à un massacre dans son pays pour le compte de l'organisation djihadiste. Qui est Ahmed H, cadre présumé de Daesh et soupçonné d'un massacre en 2014? Ce sera la question à laquelle je vous répondrai dans quelques instants avec quelques explications qu'on a pu avoir grâce à l'actualité d'aujourd'hui. Alors voici les principaux sujets dont vous pouvez partager vos différentes opinions avec nous dès maintenant en composant le numéro du standard. C'est cette ambiance assez glaciale entre Donald Trump et le président français Emmanuel Macron
et le Premier ministre canadien Justin Trudeau juste avant eh bien le G7. Qu'est-ce que vous en pensez de cette ambiance? Nous allons avoir des explications approfondies bien sûr dans quelques instants. Et ces militaires qui ont reçu donc l'ordre de ne pas intervenir et les victimes du Bataclan qui portent plainte, l'autre sujet également. On aura davantage d'explications dans quelques instants, mais eh bien maintenant que vous connaissez les principaux sujets, vous avez cette possibilité d'intervenir et de réagir par rapport à l'un de ces sujets en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Show me the way, give me the love I need today. Deep in my heart, I hold the word I need to say. Show me the way.